Hello, your name? Anastasis. Okay. How old are you? I'm 12 years old. Okay. Bonjour. Moi, je suis le père d'Anastasis. 58, mais on a toujours à apprendre. On vient d'arriver d'Athènes ce matin à Marseille. Merci d'être venu nous chercher, notre prof Jérôme. Merci, c'est normal. Alors là, on est en train de travailler les virages. On a travaillé d'abord le bas du corps. Et maintenant, on a travaillé le haut. Ok ? Ok. Donc j'aimerais savoir un petit peu des explications sur le bas du corps. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les jambes ? Il faut pas toucher les cadres. Il faut regarder les vis sur les marchepieds. Comme ça, ça nous permet pas d'avoir un écart avec les cadres. Ok. Et puis après, il faut l'équilibre être un peu. Et la botte, il faut être au milieu. Oui. C'est les paires des fabricants. D'accord. Il y a un repère sous la botte sous rouge la botte, qui permet de placer le pied sur le cale-pied. Sur le cale-pied. Ok. Et après, quand on avance, il faut avancer un peu les talons vers l'avant. Les pointes de pied vers le sol plus précisément, pour anticiper un cabrage et un dérapage. Anticiper un cabrage et un dérapage. Voilà. Au niveau, si je tourne à gauche, quel est le mollet qui touche le cadre? C'est l'opposé. Non. Le mollet qui touche le cadre. C'est les... Si je tourne à gauche, c'est le mollet gauche. Gauche. Si je tourne à gauche, le mollet gauche doit toucher le cadre et mon genou extérieur droit doit être ouvert. D'accord. Voilà, donc dans ce virage-là, on voit bien que le mollet touche le cadre. Ah, d'accord, maintenant j'ai compris. D'accord ? Oui. Voilà, donc au niveau de la position du haut du corps, on doit voir le bras tendu toujours à l'intérieur du virage, la tête un peu plus tournée. Voilà, pour regarder le virage, les épaules parallèles au guidon et surtout le coude extérieur fléchi pour pouvoir mettre du poids à l'extérieur du virage. D'accord ? Tout ça en accélérant tout doucement parce qu'un coup de gaz ou un coup de frein avant, c'est une perte d'adhérence et une perte d'équilibre. Ok ? Heureux ? Ευτυχισμένος, yes. Oui. Yes. Merci, les gars. Merci. Voilà. Pour m'arrêter, je tape les suspensions dans l'arbre, je bloque les freins, ok? Et le corps bien droit. Si ma tête, elle fait ça, c'est pas bon. Toujours bien droit. Et si on a un geste de rattrapage à effectuer, si on lâche le pied et le mollet contre le cadre, on revient. Mollet contre le cadre, on revient. Pour reculer légèrement, j'appuie. Et je lâche mes freins, ici, et pour soulever l'arrière, je tends les bras, j'appuie sur mes jambes et je freine de l'avant. Ça veut dire qu'il faut tendre les bras, appuyer et freiner. Voilà. Tendre, comme ça. Tendre les bras. Tes domaines, t'es à tendre les bras. Appuyer et freiner. Appuyer aussi. Hein. Pour m'arrêter contre un arbre, je dois élargir, faire un virage, braquer, stabiliser, bras tendus, jambes tendues, fléchi. Pour pouvoir repartir, j'appuie ici et j'ouvre les genoux. Okay. Vous avez le cours, les gars. Ça, je vais vous apprendre. Allez, on repart sans pied. Yeah! Oh! Et on bascule le corps. En avant! Ok. Allez, on s'applique.
Super. Super, il a réussi. Bravo Anastasie. Sup, trois fois en vidéo, aïe aïe aïe, il met la pression au papa. Il t'a mis la pression. Oui. Et on s'applique. Alors, moto parallèle, c'est génial. Voilà, moto bien parallèle, c'est génial. Anna, reste là-dessus. Stop. Stop. Heureux? It's good? Very good? Very good. Alors? Ouais. Sensation? Le meilleur. C'est bon, hein? C'est bon. Tu nous apprends des bonnes choses. Super. Ça vaut la peine que tu sois venu de loin. Bon, alors, je vais continuer ce métier un moment. Team Z, alors. Ok. Merci. Hey, il fallait toucher. J'ai arrêté avant de toucher. Oui. Ça va mieux là! Quand vous êtes en équilibre, vous devez verrouiller vos deux freins pour que les suspensions soient rigides pour avoir plus d'équilibre. Tu peux traduire au petit, s'il te plaît? Oui. Alors, λοιπόν, όταν είμαστε σε να βρούμε το equilibre, σταματάμε με τα δύο φρένα για να κατεβάζουμε τις αναρτήσεις και να έχουμε περισσότερη ισορροπία. OK. Εντάξει. OK. OK. Oui. Si je tourne à gauche. Si je tourne à gauche. Quel est le mollet qui touche le cadre? Attention. Όταν γυρίζουμε αριστερά, ποιο βρίσκει το... Le gauche. Le gauche. Si vous tournez à droite... Le droit. Et si vous allez en ligne droite, quelle est la jambe qui se lève? La gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a... Le pied sur le... Frein. Exactement, merci les gars, soyez chauds, je veux du beau passage. Allez, action. À gauche, quand on est en train de faire un petit frein, il y a tout. Là, c'est un petit peu, il y a 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 un. Et roule, 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 roule. Et tends les bras.